arrive. Et nous, on rejoint pour une lecture. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Je voudrais remercier Cinépassion d'avoir choisi la ville de Périgueux pour lancer le départ de cette journée, cette première même. C'est une première, donc le départ de Périgueux, nous en sommes ravis. Alors moi, je tiens simplement à remercier donc Michel Morand, de Périgueux, ville aussi où l'on fait beaucoup de tournages, de nous accueillir ce matin ici, qui est présent parmi nous. Et je tiens aussi à saluer toute l'équipe de Cinépassion, qui font un très très bon boulot. Il donne une excellente image de notre département à travers ce qu'on peut y faire au niveau culturel et notamment au niveau du cinéma. Encore merci, monsieur le maire, et puis bonne route, à tout à l'heure. Au revoir. Fin 13e, début 14e siècle, et une partie renaissance de la fin du 16e. Fin du XVIIe siècle, province de Tolède. Louis XV était trop petit pour régner à la mort de Louis XIV. Donc ce salon doré, juste pour votre information de l'histoire du château, donc il a été une pièce qui est surtout reconnue pour être entièrement peinte.
à la même époque que ce personnage de chapelle, devient le seigneur de ce village. Et puis à chaque fois, bien, on meurt. Au centre, vous avez une table de la fin de la Renaissance italienne avec des pieds fortement sculptés en cylindre. Symétrique, et pour les relier entre elles, vous avez une petite barre horizontale, c'est la barre du rat en position centrale. Alors vous pouvez y voir dans les panneaux des scènes attribuées à Jean-Baptiste Boudry, et s'il y en avait neuf à l'origine, bien malheureusement il n'en reste plus que 5 ou 7 heures, mais ça fait donc 80 ans maintenant qu'ils sont d'appel.